Bonjour VOD, on est sûr. C'est Louis, toujours dans le coin ? Resident Evil. Je suis rentré, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Et Tant mieux parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de Voilà, votre... on devait rejoindre Louis. Où est-ce qu'on va ? Eh bien, disons la cour intérieure du château. Je vais le laisser parler. On se voit là-bas. Ciao. Okay, on m'a assis sur la TV, c'est bon. Louis, après, faut que vous puissiez le capturer pour un stream. Si c'est pour un stream, quoi. Donc c'est ça la difficulté. C'est plus ça. Mais j'avoue que c'est faisable, en fait. Parce que l'écran sur lequel tu diffuses, c'est pas forcément... Enfin... Oui, non, c'est possible. Selon la manière dont vous capturez. Il est chouette le chara-design de Ashley. Alors, tout à fait. Pour ceux qui connaissent l'original, on avait avant une Ashley un peu... Un peu plus gamine, un peu plus lycéenne dans le style, mais aussi un peu plus basique, honnêtement. Dans le sens où, elle faisait pas trop fille de président, je trouve, dans son style. Là, ils l'ont un petit peu... déjà, elle est un peu plus... Elle paraît un peu plus vieille, elle paraît pas avoir 15 ans, quoi. Ou 14, ce qui était plutôt le cas, je pense, dans le Resident Evil de 2005. Il me semble que c'était 2005 l'année. Et on a en plus un personnage qui... Un character design sympa, et qui est... moins lourd, vraiment, enfin vraiment pour le moment. Ok, son IA elle est toujours pas dingue, mais c'est normal, le but c'est que ce soit quand même un boulet, hein. Le but de ce Resident Evil c'est d'avoir un petit peu toujours ce personnage à traîner, mais on s'y attache beaucoup plus facilement parce qu'elle a l'air beaucoup moins vulnérable et relou quoi que dans le plus de base, donc ouais c'est une bonne surprise. Double bulle était pas fou, ouais. Ouais et puis elle avait vraiment juste une petite jupette, tu l'imaginais pas en fait, genre... Là, tu vois, c'est une tenue de sortie. Là, dans le premier Resident Evil, je trouvais qu'elle avait l'air juste tout droit sortie de... Enfin... En fait, tu n'imaginais pas vraiment... la tenue était pas finie. Genre, tu l'imagines pas sortir dehors comme ça. Tu dis, ouais, il manquait un manteau, meuf, quand même. Genre, je sais pas. Enfin, voilà, c'était... Je sais pas trop comment décrire, mais voilà. Un écran PC assez grand, donc c'est faisable. Ok, ça pourrait être cool, alors. Et du coup, on vient juste de rentrer dans le château. Qui a été pas mal amélioré, et ça, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a le vendeur. Mais c'est un bon remake, hein, honnêtement, je le dis à chaque fois, pour ceux qui ont aimé l'original, et c'est, je crois, le Resident Evil le plus apprécié, le 4, mais aussi parce que c'est ça parle plus à notre génération que les précédents. Et ben du coup, il plaît bien, et moi, il me plaît bien. Par contre, j'ai l'impression que le son est assez bas, je vais l'augmenter un peu. Voilà, on va voir si c'est assez. Bon, malheureusement... Oh, j'aurais trop aimé. Il y a un stand de tir avec ce vendeur. Bien mais vu. Il est plus là. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Mais oui, voilà, c'était pas... C'est un personnage sympa. Alors, on a des nouveaux trucs à échanger. Je peux avoir une carte. Comment indique les trésors du château. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Ah mais non, je peux pas avoir. Il vaut mieux pas que tu le saches. Coquine ou pas. Je vais réparer mon coutal. Ça me prend toute ma thune. Et du coup... Oh, je peux acheter de la ferraille. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Mais regardez toutes ces armes. On a un nouveau flingue, un nouveau fusil. Un stingray, sans aucune idée de ce que c'est, mais... Il y a une péteuse, quoi. Broken Butterfly et un lance-roquette, toujours, on l'avait déjà avant ça. Munition Magnum, ah oui, c'est un Magnum, le Broken Butterfly. Ok. Alors, on a des trucs vraiment très intéressants, mais on n'a pas de thunes. Est-ce que je peux t'aider? Reviens quand tu veux. Donc, on va revenir quand on aura des thunes. Hop, petite save. Et on est parti. Je peux même pas acheter la carte des trésors. Ah oui, je check un petit peu pour voir si j'ai rien oublié, mais je vais surtout faire ça. Ok, ça a l'air d'être bon. On va monter. On va monter, j'ai plein de trucs qui me gênent sur mon bural. Et je joue en difficile parce que bon... Comme ça je peux me la péter un peu, même si vraiment je pense que c'est pas... Pas non plus un sauveuse, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont? Chut. Et toi? Parle pas trop fort. J'ai pas beaucoup de vie, moi.
Ashley non plus, je pense, elle arrête pas de souffler. Du coup, on doit rejoindre Louise. Pourquoi ? Parce que on est infecté, Ashley aussi, par la plaga. Et Louise a dit, bah moi j'ai moyen, y'a moyen, moyen et beau. T'inquiète, je gère. Le nombre de balles que ça me demande. Couteau de quoi? De bottes? Couteau de bottes. Couteau de bottes. C'est un nom de couteau commun, quoi. Couteau de bottes, de poche, de chemise. D'avant-bras. Est-ce qu'il ressemble beaucoup à mes autres couteaux qui ne sont pas des couteaux de bottes? Et qui s'appellent pas couteau de bottes? Oh! Le canot, je m'en rappelle. Ah non, c'était pas celui-là. Tiens! Dans ta tronche de vase. Voilà, truc qui me gêne sur mon bureau. Bah j'ai déjà plein de balles et j'ai plus de balles de fusil à pomper. Ça va être un gros souci. Parce que c'est vraiment mon arme de sauvetage. Je peux pas en faire. Et ben c'est pas grave hein. J'ai beaucoup de balles de flingue, donc de pistolet. Et j'ai pas beaucoup de vie. Et je crois que j'ai pas de comorigène. On va trouver, on va trouver. J'ai même plus d'œuf de poule. Que je me régène à l'œuf de poule. Ah, je peux faire ça déjà. On va voir. Soy into de sauce là un peu hein. Cours Léon, là t'es à fond vraiment? J'ai pas mon snipe. Bon attends Ashley. Là vraiment je vous promets je cours hein, mais en fait ça marche moyen. On va peut-être chercher le snipe avant d'aller plus loin. Il faut pas deck là. Mais est-ce que j'ai des balles? 9. Je rate beaucoup, hein. M'en fous. J'ai un oubli ici, évidemment, hein. Pas une petite plante, un truc. Salut, étranger. Y'a quoi là-bas? Tu allais? Oui, oui, ok. Bon, dommage. Oh! Ah bah. Oh bah, ça c'est bien ça! Oh! Punaise, mais c'est aussi pour ça que je reviens. C'est important de revenir sur ce. Un œil, quelque chose va forcer bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Bonsoir, Sam, well, Sam, comment qui va celui-ci? À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. C'est profond, putain. Les richesses que tu amasses ne serviront à rien. Attendez, je vais checker un truc. Est-ce que je peux personnaliser? Je peux sortir ça? Non, je peux que l'examiner. Toi, peut-être. Donc bienvenue. C'est qu'en fait, je dois le vendre. En quoi puis-je t'être utile? Merci. Bon, j'ai un peu de moula. Pas fou, hein. Pas fou. Pas fou. J'aimerais bien économiser pour avoir des nouvelles armes. Mais bon, coûte une blinde quoi. Ma mallette. Non. Coffre. Ça on va mettre à côté. Voilà. Et je vais prendre le snipe. Ah oui, avec ça. Oui, voilà. Mon snipe ça. Ah oui, il faut que je fasse élément lunettes. Voilà, ouais, c'est bon. Un CO3. Il chargeait. Oui, c'est bon. Ok. Et bon, j'ai encore un truc où bah, je suis lente avec et j'ai pas beaucoup de balles. Quand on sait le peupon.
pas du tout par là. Ça va commencer à être un peu limite niveau réactivité. Toujours mon petit flingue. Et c'est comment notre arme? Ah mais non, mais j'en ai pas d'autre. J'ai déjà pas mal, ça me prend déjà pas mal de place. Je l'ai pas eu. Je sais pas si ça vaut le coup de les tuer en vrai. Ça fait peut-être gaspiller un peu des balles pour pas grand chose. Oh non, j'ai voulu tirer vite. Erreur. J'avais pas vu celui-ci. Mais préviens-moi, Ashley, en fait, tu vois bien que je suis concentré, non? Oh, y'a du monde. Oh, y'a du monde. Bon, on va faire ça, direct. J'en ai trop besoin. Je vais peut-être prendre mon arbalète, j'hésite. Mais toutes mes armes sont précieuses. Mais l'arbalète, au moins, je récupère les carreaux. Okay. Quand on vise bien la tête, ça marche. Hein. Vous visez quoi? De balles. On va rusher. Enfin, rusher mais en trottinant parce que pour moi je peux pas aller plus vite. Qu'est-ce que c'était? Je suis dans la sauce en moi. Hein. J'aime bien quand il fait ça, Madame Crapabel. Je t'ai tué, loser. Ça va? Ouais. Je m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Putain, je gagne que des sous. Mais moi, je veux des compos en fait. Ça m'intéresse pas la thune. C'est mignon, mais lent. Effectivement. C'est une qualité. Ah merde, je voulais pas la viser elle. Est-ce que ça va? Ah, bon, ça je prends. J'ai pas vu la quête mais Ouh, attends. J'aurais pu faire espace. Ah merde, non, ça marche pas. On a tout ce qu'il faut. Merde. Ça demande beaucoup de balles à un seul ennemi. Donc ça marche pas, ok. Allez, c'est bon, merci. Ça j'ai pas tenté. Je me suis dit que ça allait être long, ça marchait. Merde, c'est fermé. Il va falloir qu'on improvise. Effectivement, normal. C'est un truc à faire ici. Bon bah laisse-la tranquille deux secondes, se repose.
là. Ah merde, faut que... Ah non, mais faut que je ressuscite très vite. Je sais pas. Je pensais que j'avais quelques instants quand même. En se faisant attaquer, pardon, Ashley se retrouve temporairement immobilisée dans la capacité d'agir. Puis j'ai pas lu. Du coup, pas de loot ici, hein. Là, elle m'a pas beaucoup aidé quand même. Oh là là. Allez, suis-moi, je t'en supplie. Reste vraiment collé. Non mais j'ai pas le temps en fait, je peux rien faire. Oui, bah oui, d'accord. Ça se passe super. Je vais dire de se cacher. Mais non, mais je peux pas lui dire ça. Faut qu'elle ait vraiment une cachette. Je l'ai passé en one shot tout à l'heure et là maintenant elle se fait tuer à chaque truc. C'est relou. Ah, c'est lourd. J'ai pas une seconde. En fait, elle me suit pas. C'est ça le truc, si tu me suis pas. Merci. De rien. Allez, tu vas te reprendre, voilà. Je suis dans une boucle là, c'est foutu. Je peux plus jamais en sortir. Faut que j'attende. Faut que j'attende. Je vais pas avancer tout de suite du coup. Mais quel enfer! Oui, bah viens, on se met là. Voilà. Mais comment en fait, je veux pas aller plus vite. Du coup, c'est compliqué. Ah non, mais elle est par terre. Bah, c'est mort. J'aime bien lui qui fait ses blagues pendant qu'Ashley est par terre. Je peux pas la relever, hein. Là, je vais me prendre un truc et puis c'est foutu, hein. Mais non, je peux pas la relever. Mais je fais comment pour passer, en fait? La première fois, je suis passée parce que j'étais dans un bon timing, mais là, ça me remet un timing pourri. J'imagine que je peux pas le viser, hein. Il met vraiment une demi-heure à se relever. Voilà, j'ai le contrôle du perso que maintenant. Bon. En fait, la catapulte anticipe parfaitement où on va. Du coup, faut vraiment que je fasse exploser le truc. J'ai plus que 2 balles, ça va être sympa. Marche pas fou. Là, allez. Ah, ça a marché, ça l'a tué le truc. Ouais, mais il va en avoir une autre. Attendez pas à un accueil aussi chaleureux. Mais...
sont pas très résistants, ça m'étonne. Ok. Est-ce que ça va? Ouais, merci. Ça vient d'où? Ça vient de là? Non. Ah si. Ah, je peux faire ça alors. Là, je peux passer là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Non mais j'ai raté. Il y en avait une autre d'ailleurs tout à l'heure. Oh, c'est quoi ça? Ça je prends. C'est la ferraille. C'est de l'autre côté hein. Ouais, on est zam. C'est totalement de l'autre côté. Oh mais je suis trop loin. Mais je veux ça moi. Attendez, je vais les faire de là-bas. Oh, ça a marché d'ici? Merci. Merci Ashley, c'est gentil. Ah, là j'ai raté. T'as pas, t'as rien vu Ashley. Reste à distance. Non, non, reste pas à distance, je déconne. Ok. Ok, t'es un peu bipolaire Léon, mais ok. Quoi? Non mais c'est bon, tu peux sauter doucement aussi. Hein. Ok. Ça c'est fait. Hey. Ah, pour viser la porte. Dommage. J'espérais un peu différemment. Tiens, DM, j'ai envie de pizza. Mais j'ai pas fait gaffe. Je vais les acheter à des champignons de Paris. Ah oui. J'ai la flemme de galérer à les enlever avant que ça cuise. Because le goût que ça donne. T'en as beaucoup dessus? Honnêtement, je trouve que ça passe quand tu les enlèves au moment de manger la part. Hein. Je trouve. Mais ça dépend à quel point t'aimes pas les champis de Paris. C'est compliqué. Notre bracelet. Bon, va falloir que je vende, mais faut que je les sertisse avant, sinon bah ça me dégoûte de vendre des trucs que je pourrais vendre cher et en fait je les vends pas cher. Oui, bats-toi contre les flammes, Léon. Ah oui, d'accord, je réapparais ici. Mmh. Ah oui, faut que je... C'est vrai, j'ai oublié. C'est pas une mémoire de dingue. C'est qui? Ils me tirent dessus, c'est eux? Je peux peut-être les éclataxes un peu, non? J'entends quelqu'un là. Ah oui, lui. Tu restes sage, je vais voir si je peux faire quelque chose là-haut. Non, je peux pas. Hein. Ça dégoûte. Oh dommage, j'ai pas le temps. Ça s'arrête jamais. Encore une fois. Oh ta mère. Alors. Y'a pas les petits trucs bleus là à viser? Il m'en manque peut-être une. Enfin, il m'en manque une, mais peut-être que je peux l'avoir d'ici. J'ai rien. Là-bas, bon, non. Ça a marché. Oui. Préviens la prochaine fois. Bah, tu t'en doutais de ce que j'allais faire quand même. Je vais un énorme canon dans les mains, en fait. Ashley. Au bout d'un moment, ton pouvoir de déduction laisse un petit peu à désirer, ma grande. J'avais littéralement un énorme canon, quoi. Oui, je comptais tirer avec, effectivement.
Regarde s'il y a les petits trucs bleus. J'avais pas vu Sarah, dis donc. Peut-être en bas. Quoi ça? Je peux aller en dessous? Non, je peux descendre ici. Ah mais c'est d'où je viens? Voilà, voilà. Oh je suis loin. Eh, tu cherches un peu toi. Hein. Ah c'est d'où je viens là, on est d'accord. C'est d'où je viens là? Écoutez, je sais plus. Oui, oui, c'est bon, ça y est, je me rappelle. C'était le passé là, c'était il y a si longtemps. Un lot de trois, j'en ai déjà fait une et ouais, c'est con, ils en mettent surtout des champignons. D'accord. Ça fait moins de jambon, de fromage. Un calé en garniture, bah oui, c'est ça. Les champignons, j'imagine que c'est pas cher, enfin champignons de Paris en tout cas. Attends, attends, j'ai vu un truc. Non, pas du tout. J'ai rien vu, Ashley, je déconne. Calme-toi, calme-toi. Ça va, ça va, ça va. Tu te poses un peu. On te trouvera une ventoline, t'inquiète. Mais attendez, je suis sûre d'avoir vu au moment où j'ai tout pété, je suis sûre d'avoir vu une quête bleue apparaître. Mais est-ce que c'était sur les côtés là? Non. Alors c'était sur les côtés de la porte, mais elle apparaît plus la petite quête bleue. Peut-être parce que j'ai fini déjà la quête. Je sais pas. On va voir. J'avais de cœur comme ça, mais même super bien cuite, ça fait des machins spongieux. Ouais. Avec un goût urk, non j'aime pas du tout non plus. Regarde cet endroit. Bon, yeah. C'est vieux mais. Excusez-moi, j'ai un esprit mal placé, je crois. J'étais occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui, monsieur. Mais je l'ai pas prise entre les mains, la roquette, alors. Ouais. J'ai pas de rocaton, mais de la ventoline. Voilà, moi. En ce moment, c'est surtout de ça qu'elle a besoin. Mais oui, elle souffle de fou. La petite. Bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Merci pour les spins malins. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Moi aussi, j'ai ça. Merci. Je vais vendre le bracelet, mais moi le calice, j'attends toujours de pouvoir le compléter. Parce que ça va falloir plus de sous, normalement. En attendant, on va sertir ça. Hop là. Oui, alors oui, là, voilà. Bonus de couleur, 1,1. Et si je fais bonus... Si je fais deux fois le même, attendez, là c'est 17 600. Est-ce que je peux dessertir? Ah ouais, mais ça, ça vaut plus cher. Ah oui, d'accord. Ok, bah oui. Bon. Bienvenue. Je coupe la parole tout le temps. Mince, je suis tombée. C'est espace. Il faut que je fasse ça. Non. Une affaire bien conclue. Bah oui. Ticket d'amélioration. Un ticket à usage unique qui donne accès à l'amélioration spéciale d'une arme. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. J'ai envie de prendre la carte au trésor quand même. Parce que j'adore l'argent, en fait. Voilà. Il y a toutes sortes de bibelots dans le château de ce clown. Merci. Et en plus, je suis sûr qu'il en a pas besoin. Tes armes sont entre la musique est peut-être un peu mains. Forte, je vais baisser un chouï. Enfin la musique, le son du jeu. Je prends quoi ça d'elle, faut dire comment ça? En plus elle est con comme un galet. Bah voilà, moi je prends super soin d'elle, attends, je c'est elle que je ramène chez elle hein.
passe 20 ans quand tu dis que ça va te passer ça. Moi je lui dirais bien va te cacher, mais je peux pas. Je suis à fond. Ah, je peux l'améliorer. Alors je peux l'améliorer, mais je pense que je vais pas beaucoup l'utiliser dans les prochains moments, parce qu'on va être en endroit fermé. Donc, je vais le déposer avec ceci. Excusez-moi. Pas de la maniaquerie, c'est de la lisibilité. Je me dis bien que j'en avais encore ici. Il y en a toi. Et je vais prendre mon lance-carreau. Que je vais mettre en toute logique ici avec les carreaux. Comme ça, j'aurai quand même une arme qui demande pas beaucoup de munitions vu que je pourrais les récupérer. C'est un échange de bons procédés. Est-ce que je peux l'améliorer mon lance-carreau? On va voir. Oui, je vais améliorer sa powerfully. Comme on dit. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Oui. Et bah j'ai envie bien acheter, hein, mais je peux avoir le fusil anti-émeute. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Ça prend quoi comme type de balle, ça? Moi, je connais rien en flingue. Le Stingray. Dégâts 3 fois contre les points faibles. Pouvoir performant, compatible avec diverses lunettes. Ça a l'air bien, ça. C'est un fusil semi-auto. Mais ça, c'est quoi? C'est un peu bon. Il fait 6,40. Attendez, je peux comparer? C'est encore fort. Hein. On se calme, la musique. Je sais plus comment comparer. J'ai peur de l'acheter sans faire exprès. Voir mallette. Vendre. Voilà, je m'en doutais. Je voudrais comparer. Je vais mieux comparer. Non. Bon, là, c'est 6,40 en puissance. C'est le truc qui m'intéresse le plus. Quoi puis-je t'être utile? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Je peux vendre. Je peux acheter le peupon. Et vendre mon peupon. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. 59 000 papiol, ça n'a pas d'importance. Par contre, je peux le vendre 59 000, non? Est-ce que ce sera tout? En même temps, j'ai mis de la thune dedans. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Shift. Ah, merci, putain! Ah, mais. Ah, voilà. J'ai anti-émeute. Voilà, je veux comparer à lui. Lui, à la base, il a une puissance de 6,60, mais je l'ai amélioré 3 fois, ce qui devait dire qu'il a 7, je sais pas combien. Mais je vais faire ça, hein. On va faire ça, hein, les amis. Hein. On va acheter ceci. Ah. Je donnerai ça quand t'auras assez de place. Oui, d'accord, attends. Oui, attends. Bonne route. Attends, je mets. Coffre. Tac, 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 tac. Comparer shift, c'est marqué. Mais moi là, c'est pas marqué. Où est-ce que tu... Ah oui, c'est en haut à droite. Je regarde en bas. Merci. Merci beaucoup. Du coup, c'est mon W machin. Hop, ça dégage. Les richesses que tu amasses. Merci. Et je t'en prie. Du coup, je l'améliore tout de suite. Et voilà. Comme tu l'as demandé. Je suis déjà à 8. C'est déjà bien. C'est déjà bien de fou. Recharger 2 cartouches à la fois, ça m'intéresse bien. Capacité à 7, cadence de tir, forcément c'est lent. Tu peux me faire confiance. Je vais mettre rechargement. Pour un pompe. Est-ce que ce sera tout? Oui, je pense. Franchement, je pense, ouais. Tu veux, surtout. Ça m'en défoue, héros. T'as un loot ultra limité, tu passes ton temps à chercher quoi prendre.
Et quoi laisser? Oh, mais t'as un coffre, t'as une quête. C'est juste que oui, bah, c'est pas le loot qui est limité. C'est ce que tu peux porter sur toi. Ah merde. Je voulais pas le placer comme ça. Est-ce que dans mon code d'identité, je ne peux pas laisser du loot? Mais le loot, les trucs que tu trouves, tu le laisses jamais, hein. Enfin, moi, j'ai jamais été dans le cas, je crois. Oui, un truc qui est par terre et je peux pas le prendre parce que j'ai pas de place. Parce que, bah, les trucs, tous les utilisables se stack, quoi. Mais les armes, évidemment, non. Quoique, non, en fait. J'ai des bêtises. Les grenades, elles se stack pas. Mais je me demande si ça va pas direct dans ton coffre. Pour ça. Salut, étranger. Salut. Ça va, copain. Petite save auto. Bon, on a des trésors. Oh la vache, regardez-moi tous ces trésors. Déjà, il y en a un ici. Ah. Soyez les bienvenus. Oh, quel doublage. Dans mon j'adore. Château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, monsieur Kennedy. Il y aura tellement de thunes, tu peux améliorer des trucs. Ouais, mais je veux te racheter d'autres armes. Juste moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Permettez-moi d'aller droit au but. Du coup, j'économise un peu. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. D'accord. Maintenant. Ça, ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. À la phrase de Macho Man. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître, sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais. C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Ouah, ils sont immenses. Oh non, mais j'ai pas de balle de peupon, j'ai un super peupon, mais j'ai pas de balle. Oh, ça va être dur. Si je fais ça. Ah, ça a cassé quand même. Y'en a derrière moi. Oui bah je crierais bien moi aussi hein. Ouais ouais bah c'est vrai hein, mais tu m'aides pas faut dire. Hein. Oh j'ai pété mon coup de talon. Raté. Moi j'ai plus de balles. Ça va. J'ai pas remis ma cam mais je la remets après. Bon. Est-ce que je peux loot en paix? Ça va. Ouais. J'ai rien. Eh, tu pourras un peu te défendre. Hein. Bon, je sais que tu fais ce que tu peux, mais... Mais merde. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. On va mettre une pièce pour avoir une sorte de statue. Ok. Là, c'est fermé. On va y aller depuis là-haut. Ok. Non. Et là, c'est de la moula. Et ça, c'est bien. Je vais fouiller, hein. Je vais fouiller, on n'a pas fini. Et voilà, je me doutais que je trouverais pas mal de thunes et je pense qu'on va retourner au vendeur après. Comme ça, je pourrais soit acheter d'autres armes, soit améliorer mes trucs. Non, pas tout de suite. Quoique, ça peut nous permettre juste d'avoir du loot ou c'est la suite? On se sent un peu la suite, ça. Vous êtes essoufflé très vite quand même, hein. C'est là, c'est...
C'est l'atmosphère un peu humide. Respire très fort, hein. Regardez Léon comme il galère à faire son petit trot là. Pas de soucis infernal ou bonne nuit. Oui, je me suis endormi sur mon canapé. Va dormir dans ton lit. Fini, je suppose. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je peux échanger mes petits trucs contre ça, mais ça a l'air très intéressant, le ticket, là. Oh, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Ah oui, c'est des soucis, hein. Parce que on a aussi ça. Le semi-auto. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger? Ça pourrait te sauver la vie. Mais je suis d'accord, mais c'est juste que... Après, la mitraillette, je pourrais la virer, le TMP, là. Pour un fusil semi-auto plutôt, non? Mais ça prend de la place, ça prend de la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a aussi ça. Ça, c'est une offre spéciale, ça. Vous avez une formule pour une munition Magnum en cadeau. Et ça, en fait, c'est quoi comme type de... C'est bien pour remplacer quoi, mon raid, c'est ça? Ah ouais. T'as rien vu qui te plaisait, étranger. Chut. Pistolet très puissant, mais souffrant d'un recul important. Un revolver à l'ancienne. C'est le... la précision et la cadence de tir. Ah non, cadence de tir, c'est la même. C'est worse ou pas? Hello, Zikufoon. La forme, oui, ça va. Ça va, je me tâte. Pas littéralement, vous inquiétez pas. Mais parce que j'ai pas envie de le vendre lui en fait, il pourra toujours m'être utile. Le Broken Buzzer Fay est 29. Spec actuel, voilà, on va comparer avec les specs actuels. Ah, c'est le rechargement qui est uber long quoi. Tu comptes rester planté là? Oui! Zut! Cadence de tir, je pourrais l'améliorer, ça va. Précision, je pourrais un peu l'améliorer. Mais à part le rechargement qui est uber long, il est top, ouais. Le Red 9, la base, il est bien, mais moi j'aime bien aussi. Butterfly Magnum, bah je pense que ce serait worse, hein. C'est juste que du coup j'aurais presque plus d'armes rapides. Comment il va celui-là? Mais oui, comment il va celui-ci? Je peux quand même, après tout, mais la thune ça me sert, ça. Je vais peut-être quand même l'acheter, hein. Ma marchandise est en parfait. Et le Stingray, je verrai. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. La puissance, c'est bien, mais le rechargement, ça compte aussi. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Et MTC Bro. Tiens, prends ça avec. Merci. Offert par la maison. Gentil. Voilà. Amuse-toi bien avec ça. Merci beaucoup. Est-ce que je peux l'améliorer maintenant? Est-ce que j'ai de quoi, en fait, niveau sous-sous? Non. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient pas. Je vais garder mes sous. Reviens quand tu veux, surtout. On va l'essayer un peu. Je vais garder le raid de côté, hein. Est-ce que je peux... Mais c'est quel type de balle alors? Oh, je l'ai fait 3 par 3. Wow. Ah non, mais c'est pas worse en fait, hein. Je regrette un peu, hein. Regardez tout ce que ça me demande comme poudre à canon, c'est n'importe quoi. Petit achat compulsif, là.
Bon, je... Allez, je fais une sauvegarde. Arme de papa, le Magnum. Ouais, ouais, arme de gens qui ont le temps aussi, hein. Moi, j'ai pas le temps, là, hein. On va voir, on va voir. J'ai mon arbalète, on va tester. On va faire un petit tour avec. Mais je suis pas... Je suis dubitative, hein. Fermé. Oui, bon, sans doute, un petit peu. Mais tout à fait. Oh, j'ai tellement de trésors. C'est quoi ça? Ah oui, c'est là. Que je peux passer là, en fait. Bien. Ça marche. On m'a vu qu'il s'endort partout, je suis officiellement en télétravail depuis le 1er mars, donc je geek en cochon MDR, je suis HS, mais oui. Allez dormir quand vous travaillez. Ça peut aider, hein. C'est ouvert. Merci. Merci. Et poli. Je trouve des patates. Là, un autre trésor. Bon, j'ai un flacon d'huile chic. C'est bien. Je peux retourner au vendeur après. Hein. Bah, je peux ouvrir ça, oui. Voilà. Bon, je vais le vendre. Je vais voir comment ça me fait. Mais punaise. Regarde un peu. Hein. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Une affaire bien conclue. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et c'est ça pour vous. Fais bonne. Voilà, je fais ça. De toute façon, si je revends une arme, quand je l'ai améliorée, normalement je revends aussi plus ou moins les améliorations. Donc, on n'y perd pas normalement. L'ambiance d'immersion du gameplay du jeu est vraiment top. Oui. Ouais, ouais, je le trouve plus immersif que l'original. Qui était déjà très bien. À ce niveau-là. Toujours la petite scène où tu sers un peu le cucu, là. Hop là. Merde. M'énerve. Ah ouais, non, mais je trouve des trucs là, c'est bien là. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. C'est toi, sois prudente, oui. C'est toi hein, qui fais n'importe quoi, hein, maman. Hein. Les petits bruits, les bruits pour te faire flipper, j'adore. Surtout que voilà, dans ce jeu-là, contrairement à plein d'autres jeux, c'est pas des bruits random qui sont là juste pour toutes les boules, mais qui en fait n'ont pas d'origine, qui sont juste des soundboards lâchés là. Là, quand t'entends un gros hurlement dans Resident Evil, tu peux être sûr qu'il y a une grosse bestiole qui fait ce hurlement. Et moi, j'aime bien. Parce que j'aime pas les sons lâchés comme ça juste pour faire flipper, en fait qui n'ont pas de signification. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu. Attendez, faut un petit peu d'ambiance. J'ai de nouveau été réveillé au milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes contre le mur, de pierres accompagnées de grognements glaçants. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois de seigneur du château en tant que bourreau. Enfin, le pain. Tout comme son père et son grand-père avant lui, c'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de la famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à lui attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'amena dans les cachots... Oh, je ne peux écrire cela. C'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Ambiance, merde. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse, tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je ne peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain, aussi loin qu'il faudra, pour ne plus entendre cette voix.
Je suis sûr qu'il est pas parti en fait. Je suis sûr il est là. Maman Talo, je sors. Au revoir, Infernal. Tu peux partir sur cette blague. Tu la mérites. J'ai des soins, moi. Oui. On l'a déjà entendu tout à l'heure, clip. Ah, oh, super. Aux animaux. Pas sympa pour les animaux, quoi. Ouais, va détruire le mur. Ok, attendez, on fait un petit. J'ai pas. Non, mais j'ai les pires trucs sur moi. Regardez, j'ai pas de pales, j'ai rien. Tu vas tellement détruire le mur. La lumière est perdue. C'est ça qui allait être détruit du coup. J'étais pas loin. J'étais franchement... Ah, j'entends plus. Attendez. J'entends plus rien. Ah, terrible. Oh non. J'ai débranché mon casque avec ma jambe sans faire exprès. Non. J'ai pas abîmé le fil normalement. Allô. Ouais, j'entends ma voix. C'est bon. Allez, aucun sursaut. Hein. Le type a des énormes couilles. Il voit un truc juste à côté comme ça, genre le pire screamer de ta life. Il réagit pas, regarde ses yeux, il fait c'est bon, elle peut pas me voir. Incroyable, incroyable. Je m'en vais à quatre pattes. Ça tombe bien, il y a plein de trucs qui font du bruit. Truc aveuglant sera pas très efficace par contre. Faut que je le tue? Je le tue ou je le tue pas? Ou je cours? Mais je sais pas où courir, je pense qu'il faut que je le tue. Bonsoir Mirou. N'a pas une tête de porte-bonheur. Bonsoir Jackal. Ah, c'est dans le dos. Ok, attendez, je vais retenter un petit coup de ça. Il est mort. Il donne beaucoup de sous. Il donne un péril rouge. Oh ouais, je vais pouvoir vendre des trucs. Thank you for the barrel. Easy GG. Bah c'est les bombes. Hein. Je les utilise pas beaucoup. Parce que quand il y a des zombies à tous les coups, je risque de défoncer en même temps. Ashley de me défoncer ma gueule. Je risque qu'il court sur moi et que ça serve à feuille. Mais du coup pour un boss comme ça, bah ça fait la job. Hein. Je prends pas la tête. Est-ce que je peux pas si? Parce que là-bas il y a du loot. Bon bah et je pense que c'est grâce à ma nouvelle arme que j'avais peur d'avoir acheté pour rien. Parce que... en fait j'avais peur de pas pouvoir trop l'utiliser, mais elle est tellement puissante que c'est cool. J'ai loot une clé mais ça je voudrais savoir si je peux ouvrir. Bah voilà j'essaie même pas aussi, je suis couillonne moi. J'ai pas essayé. Ça fait mal les petits picots sur le bras. Encore un piège ça. Attention, j'ai une arbalète. Ouais, je sais, c'est pas effrayant une arbalète. Pourtant, hein, ça me fait mal. Hein. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'elle est essoufflée. C'est parce qu'elle a la plaga. Hop là.
J'ai ouvert un homme. Enfin, une porte avec un homme. Qu'est-ce qui s'est passé en bas ? Rien. En routine. Mais t'avais raison pour les animaux. Ok. On va retourner au vendeur. J'étais là. Mauvaise pioche, je peux pas enlever et Herc de ma bite. Donc elle est surgelée. Ça marche pas comme le jambon. Du coup, je vais quand même me taper un peu de sale goût d'éponge. Désolé. Salut, étranger. Bienvenue. Je sais à quel point ça. Ça peut gâcher un plat. C'est la première fois que tu joues à Resident Evil 4. Non, j'ai joué à celui sur. Alors, je l'ai pas eu sur GameCube, moi je l'ai eu sur la Wii. L'original. Quand j'étais petite. Depuis, j'ai pas rejoué, effectivement. Mais j'aime beaucoup. À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. On peut sortir la colisse. C'est ça que je voulais faire. On va la sortir de ce pas. C'est pas là du tout. Moi j'avais sur GameCube, ouais. Ah, c'est des très très bons souvenirs. Hein. Ça fait partie de tes préférés, voire ton préféré aussi. On est beaucoup à l'adorer. Enfin. Enfin de la thune. Par contre, est-ce que je changerais pas parce que là j'ai plus de balles de machin. J'ai plus de balles de magnum et je suis pas prêt de pouvoir en faire un. Ah, m'a fait peur. T'es en retard, hein. Du coup, on va rééchanger. Maintenant que j'ai tué le gros machin là, on va prendre le raid. Je peux avoir les deux en fait. Je peux garder les deux. Basiquement. Ouais. Ouais. Je vais peut-être garder les deux en fait. Raccourci. Non mais merde. Bah ce sera en 6. Même si moi je suis pas prête, je vais faire comme ça à chaque fois en regardant mon clavier parce que j'utilise jamais la touche 6, mais voilà. J'ai joué au jeu sur PS4 et PC aussi. Ah ouais, il était ressorti, je savais pas. J'ai vraiment pas fait gaffe, il y avait marqué une super promo, moi j'ai pas fait. Ouais ouais. Bon, ce serait quand même mieux. Enfin, ça peut aller quoi. J'ai pas encore touché le remake, c'est mon préféré. Ouais, juste dommage pour le vendeur. Il a pris une pizza hawaïenne. Non, avec des jambons. Pas du jambon. Des champis. Attendez, j'ai encore des trucs à faire là-bas, j'y vais. Excusez, hein. On fouille bien. T'aimais bien le vendeur d'avant, c'est ça ? Ça va, celui-là me déplaît pas. Mirou, pour te répondre. Ah, mais je peux pas passer par là ? Ah non, je peux pas. Oh, mais c'est relou en fait. Hein. Elle est juste déçue pour ça. Ok. J'avoue qu'il m'avait. Je me rappelais de ses répliques en anglais en fait, c'est juste ça. Mais lui en soi, ça va. J'avais pas d'attente particulière sur le vendeur, j'avoue. Mais je comprends. Et c'est ça qu'il faut que je pète. Non, c'est pas ça du tout. Non, faut que j'ouvre ça. Ah, il est sorti par la bite celui-là. Nakishita! Merci à toi. Bienvenue. Ça, c'est en haut ou en bas?
Ah non, ça. Ça, c'est en haut. Ok. Merci, merci. Bienvenue à toi. Petit sursaut, là. D'habitude. Jean lui-même est vraiment extraordinaire. Ouais, ouais, c'est vrai que... Ils ont réussi leur coup. Moi, ça me fait super plaisir d'y rejouer. Il lui faut une ventoline, hein, je sais. Hein. Mais bon, elle est malade. Il m'est sorti par la bite, celui-là. C'est bon, ça va. Salut, Mirou. Je t'entends. Je t'entends. Je sais pas où il est, mais je l'entends. Peut-être que je fasse le tour. Oh, j'en ai pas. Je les ai pas du tout toutes. Si je les veux, j'ai pas fait gaffe au début en fait. J'ai fait gaffe que plus tard. Pourtant, il y a toujours des trucs comme ça. Mais... Là, j'en ai que 3. On dirait que j'ai un peu trop de sort. Bon, des petites phases d'énigmes là, on va avoir. J'aime bien. Ah, je peux lui dire un truc à Ashley. Avant, je fouille. Tu peux peut-être faire résonner ces gongs en tirant dessus. Oui, oui, bah, c'est ce que je viens de faire. Merci beaucoup pour ta déduction. C'est bien aussi de mettre des mots sur un acte. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Mais tu es adorable, pas de soucis. Hein. Impossible. Et puis rouillé. Épée dorée. Épée de fer. Épée de fer, épée rouillée, épée dorée. En fait, j'aurais pas dû les prendre. L'histoire du jeu a légèrement changé. Ouais. Après, je me rappelle mal de l'original, mais effectivement, je reconnais pas tout, quoi. Ça, c'est clair. Que de l'aide, non. Non, non, non. Attends, mais pourquoi je peux lui parler? Non, je peux rien faire, on est d'accord. Si je fais ça. Elle me demande... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, épée rouillée, épée dorée, épée de fer. Ah, ah mince, l'épée rouillée ce serait là genre. Elle est où? J'ai mis où? J'ai mis là. Il nous manque genre une épée d'argent, quoi. Ou épée de bronze. Peut-être épée de bronze. Elle est belle, cette épée. De toute façon, il m'en manque une. Je peux te casser, toi ? Et du coup, ça fait résonner le truc. Mais maintenant, je peux rien faire d'autre. C'est stylé. Enfin, résonner, ça veut rien dire, mais voilà. Ah, elle est là, l'épée. Donc, c'est une épée genre de... bronze. Donc, faut que j'ouvre cette porte d'abord. Est-ce que du coup, si je fais ça, ça marche? Ok. Mais je vais casse-piller des balles à chaque fois, ça va m'énerver en fait, hein.
Pourquoi il y a plusieurs serpents? Je veux dire avec tes flingues. Ouais ouais mais ça m'embête. Disons que ça fait des balles quoi le temps que je comprenne exactement pourquoi ça marche comme ça. J'ai pas envie. Pas très envie. Je veux pas gaspiller des balles. Ah, c'est nous. Ok. Ah oui, non, c'était juste pour embrouiller un peu. Alors, le fait qu'il y ait des symboles qui ressemblent, machin. Et puis, on s'en montait. Ouh, d'accord. Ouais. Faut suivre. C'est seulement une réplique. J'avoue que je pensais que ce serait un peu plus dur. Mais elles ont toujours été... Enfin, non, toujours, non. Elles sont simples de base dans les RE que j'ai pu faire, les énigmes. Hein. En même temps, c'est un jeu d'action. C'est là juste pour un peu calmer, justement. Dans des moments de douceur. Mais le loot, là... Ah... Pour la vipère, ça a toujours un petit soin. Les énigmes sont vachement plus simples dans celui-ci que dans l'ancienne version. Je trouve pas. J'avais pas galéré non plus quand j'étais gamine et pourtant, je vois pas des jeux d'énigmes, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elles étaient... C'est juste qu'elles mettaient peut-être plus de temps parce que souvent il fallait que t'ailles chercher des trucs un peu loin et tout. Mais... Je me rappelle pas avoir déjà galéré sur une énigme de Resident Evil en vrai. Mais j'ai pas joué au premier. Ashley aussi nièce que dans le cadre d'origine ? Non, pas du tout. On a dû tourner en rond. Oui, on a tourné en rond, ma grande, effectivement. Bon, alors là, ça... Bon, là, ça dessert un petit peu sa cause. Mais, dans le cadre d'origine, Ashley était moins casse-bonbon. Ah, pas du tout. Hein. Ah, vraiment pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas du tout. Au contraire, je la trouvais bien plus chiante qu'elle ne l'est maintenant. Après, son IA n'a pas beaucoup évolué. Mais le personnage en lui-même, je la trouve vraiment beaucoup plus normale maintenant, en fait. Ok, faut que j'ouvre cette porte, faut que je passe là, machin, machin. Tu pouvais la laisser où tu veux, sans qu'elle te gêne durant ta mission. Mais ça, c'est pas le personnage, ça. Hein. Ça, c'est du gameplay, ça. C'est pas ça qui va faire qu'elle est niaise ou pas. Enfin, moins 15 bonbons, pardon. Mais c'est pas... ça, c'est du gameplay parce qu'ils veulent te faire chier, en fait. Maintenant, elle te suit partout, ouais. Ouais, ils ont voulu rendre ça un peu plus contraignant. Mais Surtout essaye pas de faire ce que je fais. Ah, c'est quand elle m'attend. Ok. Mais vraiment, je la trouve... moi, perso, je la trouve moins chiante. Par contre, effectivement, ils ont voulu rendre le gameplay un peu plus relou. En t'imposant de la voir soit proche, soit loin. Enfin, loin. Un grand terme. Hein. Un peu éloigné. Même quand tu voudrais la poser quelque part et faire tes trucs. Calme-toi. Il est trop barge. Quel foufou ce Léon. Ok. Oh c'est là. C'est quoi ça? Oh je pouvais juste faire ça. Je fais ça au pif. Merci. Non, par ici.
Ouais, je sais, hein, je sais où je t'ai laissé. Hein. En fait, c'est bien, t'es bien là-haut. Y'a bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Oh, j'ai tout ça avant. J'attends. Attendez. Tu amasses, te sers, j'approche. Attendez, attendez, on va faire un petit peu de certissage là. Tu vas en dire. Oh non, je l'ai. Ah non, mais je l'ai déjà vendu. Et les autres, je peux pas les vendre. Prochaine fois, achète quel bien. Sonnez les matines. C'est quoi des matines en vrai? Je connais la musique, hein, mais pour moi, ça veut rien dire sonner les matines. Ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le merci. C'est quoi ça comme flingue? Non, je vais pas faire par rapport au Butterfly, je vais faire par rapport au Red. Ouais, mais j'aime bien qu'il soit powerful le Red, moi. Pas beaucoup de distance, mais j'ai déjà de la ferraille, j'ai, mais il faut l'autre ferraille là. J'hésite à le prendre lui. Dans deux jours j'ai R4, j'ai hâte. Ne spoil pas trop. Parce que bon, moi j'avais oublié, peut-être que c'est pas ton cas, remarque. J'avais oublié pas mal de trucs, du coup c'était une bonne surprise à chaque fois. Une arme modifiée, perdien, vois ce que ça donne, l'ami. Comme mon peupon, hein, j'aimerais bien l'améliorer, mais en soi j'ai pas de balles de peupon. Je vais peut-être en avoir, remarque, mais. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Fais bonne. C'est ces balles que je veux faire. Mais je peux pas les faire. Route. Moi j'ai vu plein de gens y jouer. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Écoutez, je vais attendre un petit peu de voir si je peux me faire des balles de peupon. Dans ce cas-là, je vais investir dans le peupon. Sinon, j'investis dans une autre arme. Parce que c'est ça qui m'emmerde, c'est que... Vu que c'est pas une arme que je vais vendre, de toute façon, j'ai pas envie d'investir dans des améliaux qui, pour le moment, ne me servent pas. Pourquoi tu dis tu hurles merci? Ah ouais, merci, j'avoue. Thanks, bro. Je peux rien mettre ici, hein, j'ai rien loot. Non. Pardon. Excuse-moi, ma grande. Mais tu vas te spoil toi aussi, Infernal Lou. Matine. Donc messe matinale alors. Premier office du bréviaire. Qui se chantait normalement avant le lever du jour. Donc sonner les matines, ça veut dire sonner la messe, quoi. C'est un oiseau qu'il me faut? Non, c'est pas un oiseau qu'il me faut. Il me faut un serpent. Mais je suis lourd. Oh, attends, je te rejoins, de toute façon je vais récupérer mon truc. Du coup elle m'a rejoint. Elle dit qu'elle peut me rejoindre. C'est tout? Il y a vraiment rien d'autre à loot ici? J'ai ça, hein. Ça moi je veux savoir ce que c'est, attendez.
Ah mais oui, mais c'est ça, je suis stupide. Excusez-moi, j'avais oublié. C'est l'instant culturage, pour être mieux culturé, exactement. J'aime la culturation. Non, en plus, ce terme existe. Et c'est un truc un peu terrible. J'aime pas. Excusez-moi. Je me rappelais de ce manoir, j'aimais bien. J'aimais bien quand je le parcourais parce qu'il est un peu flippant. Salutations, monsieur Kennedy. Êtes-vous prêt à livrer la fille ? J'ai plus de l'eau et je m'en suis foutu partout, des os. Bah pas tant que ça, non. Petit date. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Ok. Quelle curieuse construction. Noir, ça c'est bien. Je vais essayer de faire un bon tour avant de me barrer. Là, une grosse porte, je parie que je pourrais pas l'ouvrir. Là, je peux ouvrir. Et il y a une save et il y a ça. Il existe des parasites capables de contrôler leurs hôtes, bien que ce soit fait du bien connu. Bien que ce soit un fait du bien connu de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs de ces parasites. Le Dirocoelium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le ganglion nerveux œsophagien d'une fourmi, ils altèrent son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant des heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de ses mandibules dans l'intention d'être mangée. Galactosomum. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la céréole. Je connais pas ce poisson. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau, où il nage jusqu'à se faire dévorer par les oiseaux marins. Le cochloridium. Les sporocystes, je sais pas si ça se prononce comme ça, sporocystes plutôt, de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot. J'avais vu sur les escargots. Où ils bougent comme des vers. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le force à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux. Une fois avalé par le volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Ouais, j'ai vu des reportages, moi. Pardon, il y avait un écho. C'était moi qui faisais l'écho. Faut que j'aille par où, parce que là, j'ai plein de possibilités. Autre instant culturage. C'est fermé. J'ai eu 7 et 12 voix, je regarde pas donc je me spoil pas. Ok. Ah, mais c'était cette porte là. Okidoki. Hein. T'as vu à qui on est revenu ici? Vous, hein? Ça m'énerve de les entendre tout essouffler alors je veux pas les user. Sauvegarde autour. Classe. Il est né, non. Il est né, non. Je veux me faire latter, moi. Comme un café, hein. Oui, bah j'ai vu. Je voulais commencer à loot. C'est quoi ça? Ah mince. Ah, je l'avais pas vu. Je jure que je l'avais pas vu.
Je l'ai tué, je lui ai tiré dans la tête. T'as mis de la pêche sur ta pizza, Sam ? Moi, j'avoue que je suis pas sucré salé, donc ça me... Des vols de mort. Vol de ses morts. J'ai tué Ashley en fait, littéralement. Je lui ai complètement tiré dans la tronche. Psy. Ce petit bonhomme, c'est Léon. Let's go. Abrez ça. Mais pourquoi elle est là? Pourquoi elle se met là? Attendez, pourquoi elle se met là? C'est un câble. Oui. Toi, fais gaffe en fait. Merde. Ouais, un jour, je te promets, je. Heureusement, il sait pas où il va le con. Ah. Zut. Pour si cher. C'était pas mal. C'est trop bon. Mais oui, c'est vrai que j'ai une collègue qui fait ça aussi, qui met de la pêche sur sa pizza. Zéro peur des mélanges, je sais que je vais aimer. Ah ouais, non, moi je sais que je vais pas aimer. Même. Fais attention. Déjà, de base, les fruits en recette. De manière générale, même en sucré pur, un truc que j'aime pas trop, enfin que j'aime pas trop, que je trouve décevant. Plus ça, le terme. Oui, reste vraiment collé à moi, je t'en supplie. Ta gueule. Non, pas le temps. Zut. 3, allez 3. J'ai mis trop de temps en fait. Oui. Écoute, ma grande. Moi je me meurs beaucoup là. Donc il va falloir que tu prennes sur toi pour pas te mettre en travers de leur route, s'il te plaît. Ce serait mignon. Cordialement. Voilà, je fais ça comme ça, elle vient. Déjà, ils sont très proches. Ça s'arrête jamais. Elle pète terre. C'est quoi qui fait du bruit? Allez où Ashley? Allez où? Elle est là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Juste envie de vaincre en fait. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Elle était à côté de moi. Voilà, c'est compliqué là. Là je... En fait voilà, je... Je vais faire beaucoup plus tard. Tac. Non. Oh bah la merde. Ah c'est Ah c'est dommage là. Ah non c'est bon. Oui je sais. Tu travailles hein. Non rien c'est au poil.
mais c'est rigolo ça. Ah mince. J'avoue, j'ai cherché un peu la merde. Ça marche pas. Elle me saoule. Ça c'est chorizo tellement supplément camembert. Ah oh, c'est marrant ça, maintenant je vois pas souvent ça. C'est un test PCR. Si tu sens rien c'est que t'es covidé. J'avoue que... Ah, toi t'aimes bien que ce... Viens là, si je t'en supplie. Pourquoi il vient pas? Ah zut. Oh merde. C'est qui me tire dessus de fou là? Ça marche pas. C'est dommage ça. Merde! Mais j'en peux plus. Bonsoir Socar. Les ennemis ne seraient pas globalement très lents. Pas plus que dans l'original. Ça dépend du type d'ennemi. Généralement, effectivement, c'est plus le nombre et le fait qu'ils vont avoir des moments où ils vont te sauter dessus, vénère. Mais dans cet opus-là, ça a jamais été des mobs à la Left 4 Dead, quoi. Ouais, j'en ai marre, hein. Ils me prennent la tête, hein. Parce que nous, si tu regardes bien, on est vraiment lent aussi, quoi. On a vraiment zéro réactivité. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Et je peux descendre par là-bas ? Ah, peut-être un peu plus, oui. Faut que je passe par là-bas, ok. Oh, la musique, là, qui ça me bat, là. Heureusement qu'ils sont là, vu la quantité. Ouais, et puis la vie qu'ils ont, quoi. Après, je suis en difficile aussi, mais... Et de base, tu rencontres tellement d'ennemis qui sont des putains de paquets de PV. Que sans le peupon, c'est impossible. Non, c'est ça que je voulais. Oh merde. Je t'avais pas vu, je vais tellement crever. Allez, voilà.
Il doit avoir un autre point faible, mais Non. Chut. La vie c'est bleu si peu ou trop pas? Eh merde. Hoppa! Tant mieux que les ennemis soient lents. Ouais, c'est vrai qu'on a un perso vraiment lent. Mais prends-la la chevrotine de ses morts. Prends-la, c'est-à-dire. Une chevrotine? J'ai toutes les armes, hein. Enfin, toutes les armes dont j'ai besoin, quoi. Un peu vénère le massage, hein. Dommage. Mais pourquoi je fonce dessus aussi? Je suis un peu débile, moi. Non mais vraiment, il pépé lui. Non, 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 vite ici. Ouais, je suis un peu mal foutu. Génial. Oh, ils font ça. C'est long. Tu m'as répondu? Non, à Jackal qui parlait de prendre la chevrotine de ses morts. Mais ça juste au-dessus. Ah oui, je t'ai répondu, oui, tout à fait, effectivement. Puis, bon, on en parle depuis un petit moment, oui, Socar. Du fait qu'on est très lent, effectivement, nous, en tant que personnage. Et que... Oui, non mais en fait, on en parle depuis 5 minutes. En fait, du fait que les ennemis sont des sacs à PV, que dans les Resident Evil, surtout celui-là, les ennemis sont lents de base. Et que nous aussi on est très lents, c'est pas des jeux à part au niveau de l'AM, t'as pas des masses de réflexes à avoir. Et on en parle depuis 5 minutes, ouais. Et qu'en fait, ça dépend des ennemis, mais vu qu'il y en a un paquet et qu'ils ont beaucoup de vie, effectivement, ce sera plutôt un gameplay plutôt lent. Voilà, mais mais voilà, je me répète un peu à force. Ah mais non, mais c'est là où il y a mes trucs, ouais. Mais comment j'ai ce type là de ferraille, j'en peux plus moi. Aucun pip pip quand ton perso marche à l'arrière. Bah disons que ouais, bah ça peut surprendre quand on connaît pas après. J'avoue que c'est pareil que dans l'original, donc donc ça me surprend pas plus que ça. C'est pas des jeux où tu peux beaucoup éviter, tu dois vraiment... T'as pas de roulade, t'as pas de truc, tu dois vraiment affronter la plupart des ennemis que tu vas croiser. Sinon tu t'en sortiras pas. Mince, je sais plus où est le truc... Voilà, c'est là. «
Bonne soirée, Rim. Bonne soirée, pardon, j'ai rêvé Mirou, des zoubis. Une sorte de jeu nouvelle. Non, non, c'est un remake. Enfin, après, ils ont modifié quand même des trucs, ils ont changé des choses. Et les cinématiques sont pas les mêmes, les... Il y a plusieurs éléments qui ont un petit peu changé et tout ça, mais c'est un remake quoi, donc effectivement, toute logique, c'est plus un remake s'il change tout quoi. Attention, fais attention vraiment comme je peux moi. Oh putain, mais je prends trop cher là. Mais il a un casque derrière en plus, mais horrible. Oh, on va se barrer. Si je peux. Mais c'est qui me tire dessus comme ça là? J'en peux plus. Faut que je back un peu là, faut que je me protège parce que waouh! Elle est où? Je la déteste. Oh, franchement, ils vont venir jusque là donc je me prends pas la tête. Hein. Ah mais à CTP, là où je suis. J'ai pété mon coutal. J'ai un peu du mal. Là j'avoue que c'est chaud. Plus de pixels aussi, mise au goût du jour de l'histoire. C'est du moteur, oui effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour un jeu 2005, si tu fais un remake en 2023 dégueu, c'est-à-dire avec les mêmes graphismes qu'en 2005, bon bah c'est un peu pourrave quoi. Je trouve. Pas la meilleure strat, vraiment. Est-ce que... Bah de toute façon j'ai plus de... J'ai plus de ça... Je passe... Enfin si je vais sauvegarder je pense mais bon... Vu mon état c'est peut-être pas worse... T'en fais pas. T'en fais pas. Non c'est pas ma mallette, c'est coffre. Parce que coffre et mallette ça se ressemble beaucoup. Même un peu plus ou moins le même truc quoi. Ça je dépose et je vais sortir ça. Il n'y a pas beaucoup de balles mais je peux en craft. Donc ça va. On va peut-être plus facilement les viser parce qu'ils me font péter un câble en fait. Un sup. Je le vois pas tellement. Ah oh putain, j'ai été trop vite. Dommage, je gaspille des balles là. Ah mais il y a ces deux connards aussi là qui font chier de fou. Oh putain, c'est pour ça que je prends très cher. Le cliché du comportement des preuves, très JPP. Bah en fait c'est des zombies hein. Ils manient des armes mais c'est des zombies donc ils sont pas... Dommage. Sont pas très malins mais je vais peut-être me laisser tuer en vrai. Là j'ai gaspillé beaucoup de balles. I am Malenia, Blade of Mikula. J'ai pris des cartes graphiques aujourd'hui. Oui après hein, t'sais, un jeu qui est joli. Ça veut pas dire qu'il sera optimisé pour les cartes graphiques dernière génération. Hein. Il suffit de regarder. Il suffit de regarder quelle chure c'était au niveau des bugs à la sortie de certains jeux, genre machin protocole là, je sais plus comment ça s'appelait. Qu'est-ce que ce protocole? Ah, c'est mieux quand je vise la tête.
Je viens de me réveiller, t'as pris des raids de qui de Yarnael. Voilà. Donc imagine que t'étais sur Yarnael, j'en sais rien. Mais c'était il y a un petit moment maintenant, il y a plus de 2 heures. Ils sont vraiment très très lourds. Oui, je vais te soigner, je vais te soigner, je vais te soigner. Oh, j'ai essayé d'être précise pour l'avoir en un coup. Je les entends mais je les vois pas. Là il est où celui-là? On me tire dessus, je n'ai aucune idée de... Ah, de où, ok. Oh, putain. Allez, on bouge. Bon, moi s'il dit ça, c'est qu'il est vraiment mort. Il est où le dernier là? Ah, il est là-bas ce bâtard. Merde. Ah, dommage. Ça, c'est dommage. Pas très envie de cramer non plus, mais bon. Est-ce que je peux hein? Oui. Écoute, faisons une pause. Ça va aller. Il faut qu'on continue. Je sais même pas ce que je dois faire. Je sais même pas si j'ai récupéré tout que je vais récupérer, je vais tester. Mais waouh, quel enfer cet endroit. Bon, ça a pas l'air de respawn, heureusement. Mais je suis vraiment dans la tête à sauce là. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je mette. RX480 fait tourner le jeu dans de bonnes conditions. Oh, tant mieux, ouais. Là qui s'est fait raid par Millie, oui, non. La boucle est bouclée. Ah ouais, Millie. Si, si, effectivement, Millie, il y a un petit moment. Au milieu de la soirée, effectivement, effectivement. J'ai été raid par Millie. Oh, les bruits sont très énervants, par contre. Les bruits de... Mais effectivement, elle aurait sinon sûrement raid Yarnael. Ok, je vais essayer de récupérer mes carreaux. Parce que j'y paie trop paix. Il est super bien petit, j'ai besoin. Ah, j'ai pas besoin de batterie, pardon. Ouais, ouais, non mais ça va. Je pense que celui-là, ça va. Ça? Ah voilà. Je récupère un peu mes carreaux là. C'était... Je n'ai tellement gaspillé. Est-ce que je peux descendre par là? Non. Il n'y a pas de petit chemin. Ma CG. Non, pas de ça sort, j'en sais rien. Ouais, je me doutais que tu parlais de ta CG, mais je me suis dit que j'allais voir un peu la suite de ton message pour savoir si c'était bien ça. Bon bah je peux pas aller. Ça craint un peu ici. Oh, ça craint de fou même. J'ai plus de balles et tout, quel enfer. On save auto, ok.
Comme c'est des vrais devs, pas comme Sony qui est de retour l'argent de Sony pour faire de bonnes adaptations. PC. Ouais, bon, c'est pas les seuls malheureusement. Après, ils font des mises à jour, j'imagine. J'imagine. Mais Forspoken, j'ai pas regardé. Je suis pas renseigné sur Forspoken, j'avais pas. Le jeu de base m'intéressait pas de fou, en fait. C'est vous, hein? C'est dingus, hein? C'est fou dingus, hein? Viens. Ça va aller? Ouais, je vais y arriver. Ma table. Léo! Je te couvre, t'arrêtes pas! Que dalle, hein? Tu. Mais je couvre que dalle là, tu fais chier, j'ai pas du tout les mini. Enfin, j'ai pas du tout le type d'armes qu'il faut là. Personne qui soit. Voilà. Pas trop loin de moi. Deux secondes, hein. Attends, je recharge. Ah zut, c'est ça que je voulais. Tu viens quand? Elle fait quoi? Ah mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Mais pourquoi elle descend pas le temps que je tue tout le monde? Oh, j'ai plus de balles. Non mais stop. Ouais j'arrive. J'en charge mes 18 minutes à peu près. D'accord. Ça s'arrête jamais. Faut que j'attende qu'il arrête de courir. Ouais, pas trop. J'ai eu les deux, c'est déjà ça. J'ai plus de balles, HF. Va falloir vraiment que tu te manies en fait. Dépêche-toi, je t'en supplie. Là, j'ai vraiment pas de balles. Ah, elle passe par là. Merci. Pas ta croupie. On avance, hein. Viens. J'ai zéro balle. Dépêche-toi. Ok. Ok. Y a un boss là, je suis dans la tétrasauce, hein. Reste près de moi. Reste près de moi, parce que même quand tu restes près de moi, t'es pas si près. Ça va. Ouais, j'ai rien. Mais pas moi. Mais je veux pas bien. Merci beaucoup Néo, bienvenue. Merci. La rétribution des couteaux, j'ai le sentiment que les devs, j'espère encore des souris à boules. Pour utiliser le bouton de pouce de la souris moderne, faut émuler des touches clavier. Ah oui, c'est un peu nul. Et désolé, j'écris des pavés, j'en mange pas mes doigts sur le clavier, t'inquiète. J'attendais un moment de calme.
pour pouvoir te lire. Bon, je sais pas. Ouais, les refs AMD, je les ai pas non plus. Bon, c'est cool, je trouvais des trucs. Quand même. Je vais quand même me faire des balles de fusil. Je peux quand même me le permettre. Manga. No loot here. Ah. Non, pas Sarah non plus apparemment. Est-ce que y a des Rogue Queen? Qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je vois? Ah oui, d'accord, pardon. Ah non, pardon. Okay. C'est un pavé, tu peux pas te mesurer, c'est hyper fou, effectivement. Ce qui veut dire, c'est que j'ai l'habitude avec Sam en général. Il décrit bien sa situation quand il m'explique un truc, ou qu'il me raconte une histoire ou je ne sais quoi. Effectivement, c'est plus long, hein. Hey, t'es sûr que ça va? Je vais totalement la pêche dans la pizza, mais ça reste moins bon que l'ananas, moins sucré. Moi, c'est pas mon truc, mais je respecte. Ça a l'air d'être ici. Cinématique. Ça va? Oula. Je crois. Comme sur des rollers. Inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre petit agneau. Retiens-toi, mon enfant. Archer. Ça, il n'y avait pas hein, dans le premier, dans l'histoire de base. Il me semble. Et bien ceci conclut notre chapitre. Bisous, la VOD.